On va maintenant parler transporteur aérien. On reste en vacances, en voyage en tout cas. De plus en plus, certains transporteurs aériens demandent qu'on paye un supplément pour un bagage à main. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autorisé? Effectivement. Alors, il y a plusieurs compagnies, dont Ryanair, Vueling, EasyJet, Wizz Air, qui facturent des suppléments pour des bagages à main. Alors, est-ce que c'est légal? J'imagine que les compagnies aériennes pensent que oui. Nous, chez TestHR, on pense que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui a été rendu, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui considère qu'un bagage à main de taille et de poids raisonnable doit faire partie intégrante du prix du billet. C'est aussi l'avis d'une autorité de contrôle espagnole qui vient d'imposer une amende de plus de 150 millions d'euros aux quatre compagnies aériennes que je viens de citer, parce que justement, elles facturent des suppléments pour les bagages à main. Pourquoi c'est problématique? Parce que très souvent, c'est quelque chose qui vient s'ajouter en fin de parcours. Donc, quand tu veux comparer les prix de tes billets d'avion, eh bien, souvent, c'est très compliqué à faire. Tu dois d'abord faire tout le processus, ajouter ton bagage pour avoir ton prix, pour ensuite le comparer avec celui d'un autre transporteur aérien. Donc ça nuit gravement à la comparaison. Et nous estimons qu'en fait, ce serait beaucoup plus facile si au niveau européen, on avait des règles claires qui s'imposent auprès de toutes les compagnies aériennes par rapport aux tailles des bagages à main qu'on peut prendre sans se voir facturer de supplément. C'est vrai que ça manque de clarté. Mais donc, le bagage à main n'est pas gratuit dans l'avion? Alors, le bagage à main n'est pas gratuit dans l'avion auprès de certaines compagnies aériennes seulement. Il y a d'autres suppléments qui sont aussi facturés par des compagnies aériennes qui ont d'ailleurs aussi été jugés illégaux par cette autorité de contrôle espagnole. Par exemple, il faut payer pour pouvoir s'asseoir à côté d'un enfant mineur. Ça, l'autorité espagnole a également jugé que c'était illégal. Une personne qui accompagne une personne handicapée doit également obligatoirement payer pour pouvoir s'asseoir à côté de la personne handicapée. Pour avoir la garantie que le ticket qu'elle prend soit bien assise l'une à côté de l'autre. Ça a aussi été jugé contraire à la réglementation par l'autorité espagnole. Il y a d'autres types de suppléments qu'on voit un peu partout. Certains sont légaux. Donc, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle des no-show clauses. Donc, si vous ratez, par exemple, une étape de votre voyage et que vous ne confirmez pas dans un certain délai la suite de votre voyage, eh bien, on va annuler vos vols suivants. C'est toujours très opaque, le secteur des compagnies aériennes. Et donc, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup plus de clarté sur ces suppléments. On voit aussi que, par exemple, quand vous faites une petite faute de frappe au moment où vous réservez votre billet et que vous vous en rendez compte trop tard, que vous voulez ensuite changer, souvent, on vous facture des frais pour le faire ou c'est impossible. Tout ça, ce sont des clauses qui sont franchement pas très orientées consommateurs, pas clair. Et donc, on demande à l'inspection économique de venir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, de notre côté. Effectivement. C'est vrai qu'en général, même quand on accepte les coûts, les surcoûts, etc., une fois qu'on a son billet, je me suis rendu compte aussi récemment que même en ayant sa réservation, il est très compliqué de savoir ce pour quoi on a payé. Oui, tout à fait. À quoi on a réellement droit. Il y a tellement de suppléments maintenant que c'est vraiment compliqué. Qu'il n'y a pas de clarté. Et on voit, par exemple, si vous voyagez avec un enfant aujourd'hui, il y a des compagnies aériennes qui vont vous faire un prix réduit pour pouvoir voyager avec un enfant. Mais il y en a d'autres qui vous facturent le tarif plein pour voyager avec l'enfant et qui, en plus, vont vous obliger à payer un supplément pour que cet enfant soit à côté de lui. Donc, vous allez payer plus cher pour voyager avec un enfant que si vous partiez entre adultes. C'est quand même assez paradoxal. Ça manque franchement de bon sens. Ça, c'est pour les suppléments de cet ordre. Mais maintenant, il y a un autre aspect que je voudrais aborder avec toi. Brussels Airlines, assez récemment, a annoncé une nouvelle taxe environnementale. Est-ce que c'est un de ces suppléments ou bien est-ce que c'est autre chose? Alors ça, c'est tout à fait autre chose, cette taxe environnementale. En fait, c'est Brussels Airlines qui fait partie du groupe Lufthansa qui annonce qu'en raison de toutes les réglementations qui ont lieu aujourd'hui pour assurer une transition verte, parce qu'on sait que le secteur aérien est responsable en grande partie de pollution, évidemment, de contribution à l'effet de serre. Et donc, il y a des mesures qui s'imposent aux compagnies aériennes qui sont parfois coûteuses. Et en fait, elles répercutent ces nouvelles obligations sur les consommateurs. Nous, on a beaucoup de mal avec ça parce que c'est un petit peu comme si, quand il y a des nouvelles exigences de sécurité, on viendrait dire aux gens, on vous impose une
une nouvelle taxe de sécurité. Quand on doit gérer son personnel qui a des obligations en droit du travail, est-ce qu'on impose une taxe en droit du travail? Ça n'a pas beaucoup de sens. On trouve que ce n'est pas non plus une bonne façon d'intégrer vraiment cette responsabilité du secteur aussi d'aller vers une transition verte. Et puis ça fait un petit peu, c'est pas de notre faute, hein, c'est la faute de l'Europe. Et à cause de l'Europe, vous devez payer. On pense vraiment que ça nuit à la transition verte à laquelle on doit tous et toutes contribuer. Mais un point important sur lequel je voulais venir aussi, c'est que par rapport à tous ces suppléments qui sont facturés aujourd'hui, on a lancé une action chez TestAchat. Ah mais évidemment. D'une part, on a porté plainte auprès de l'inspection économique pour dénoncer le caractère illégal des suppléments qui sont facturés. Mmh. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait? On met en ligne un formulaire qui est accessible à tous et toutes sur notre site, sur lequel vous pouvez remplir les données qui sont liées au vol que vous avez pris, au supplément que vous auriez dû payer. Imaginons que vous avez dû payer un supplément pour pouvoir prendre votre bagage de 10 kilos. Eh bien, vous pouvez indiquer le prix que vous avez payé, les dimensions de votre bagage, etc. Gardez bien tous les documents, parce que nous estimons que si notre action plutôt administrative ne mène pas à des effets concrets, eh bien, on va envisager éventuellement d'aller en justice pour que les personnes qui ont payé pour ces suppléments soient remboursées. Donc, allez voir sur notre site ce formulaire et gardez bien les preuves, de paiement que vous avez effectuées. Mais avec grand plaisir, ça va être fait, mais sans hésiter une seule seconde. Site, le lien est sur notre site facilement visible, c'est sthacha.be/supplément-bagages, comme ça vous avez toutes les infos. Vous avez noté, hein. On se retrouve sur cette page-là, j'irai voir aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup, avec encore plaisir. Une fois des bons conseils et j'espère que cette action portera ses fruits comme beaucoup d'autres que tu as pu venir nous apporter autour de cette table. À très bientôt, Julie. À bientôt. Au revoir.